Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Silverlinker et Seven. Aujourd'hui on est sur Crypt of Necrodancer en coop parce qu'on est côte à côte. On est les bros, the brothers, ensemble. Du coup, on va pouvoir jouer tranquillou ensemble. Là je m'entends en écho dans les casques, ça a été une merde pas possible pour gérer tout ça. Mais bon, ça marche, on nous entend, donc on va pouvoir y aller, n'est-ce pas monsieur? Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc Julien avait déjà fait des vidéos sur ce jeu. Donc c'est un jeu indé dispo sur Steam qui se joue en fait en rythme. Bah voilà, je me prends déjà bordel. Fais toucher. Qui se joue en rythme de la musique. Donc vous voyez le petit cœur en bas de battement et les traits indiquent quand est-ce qu'il faut sauter. Si on fait que de spammer le bouton, on peut pas. Vous voyez, ça fait miss, et je bouge pas, alors que Julien bouge. Donc faut vraiment être en rythme, et du coup analyser le tout avec les ennemis, comment ils bougent. Oh là, je me suis pris bordel. Les petites plaques, comme ça, qui nous permettent de sauter. Un marchand qui se met à chanter. C'était quoi ta bombe? Pourquoi elle était orange? Hein? Pourquoi elle était orange ta bombe? Tu l'avais pété? Tiens, prends la pomme. Pomme. Je vais la manger tout de suite. Hop. Tiens, tu peux mettre la bombe là? Ouais, je vais la mettre. Donc là, vous voyez. Oh. C'est le dernier F. Donc quand il y a des petites fissures, ça veut dire qu'il y a un passage secret quelque part. Et vous voyez qu'il y en a un. Vas-y hein. Allez, go. Hein? Oh. Donc voilà, pareil. Oh, le tempo est plus lent. Déjà que celle-là, elle est très lente de chanson. Donc vous voyez qu'on a trois, mais merde. On a de l'équipement. En haut. À faire à gauche. On a dû m'entendre encore une fois en écho, malheureusement. Voilà, je suis mort, j'ai fait n'importe quoi. Regardons l'expert, parce que lui, il bloque un peu plus. Bloum. On va tracer du coup. Pas beaucoup de diamants dans les murs. Donc voilà, petit jeu de rythme avec des niveaux comme ça où on essaie de survivre. Le but est vraiment d'analyser comment réagissent les ennemis pour ensuite gérer en fonction de l'arme. Donc une arme au début, on a une espèce de petite dague qui fait une seule case. Et ensuite, plus on a des objets sympathiques, plus ça fait des dégâts. Par exemple là, on a tous les deux une Golden Broadsword. Vas-y, je te laisse y aller. Ça nous permet d'attaquer sur 3 cases à côté de nous, dans la direction qu'on veut. Donc ça peut faire du dégât. Ah oui, prends ce que tu veux, je vais juste prendre le cœur. Et du coup, voilà, je pense que je fais un peu le tour de tout. Donc en fait, la difficulté, c'est vraiment de garder du rythme, d'analyser du coup les différents mouvements sans prendre plein la tête. Qui a explosé. Je sais pas, j'ai eu un truc. Ah oui, t'as eu un truc. Ah, on voit tous les ennemis. Ah ouais. Vous voyez, souvent ils se déplacent une case sur deux. Là, lui, hop. On sait qu'un minotaure. Il y a le boss en bas. Oui, arrive. Alors certains peuvent creuser. Ouh, il a pris cher. L'avantage d'être deux, c'est qu'il y a deux fois plus de dégâts. Ah, j'ai un sort. Eh, ça part que sur la droite et ça. Bah quoi? Un boule de feu, c'est droite à gauche. D'accord. Ouais. Il est hyper stuffé, tu sais. Grave. Pas fouillé en haut à droite. Non. Donc on a une petite map en haut qui nous permet de voir. Donc stuff de base. Wow. On y va pas là. Stuff de base. Une pelle et une dague. Donc la pelle nous permet de creuser les terres nobles ici. Mais par contre on ne peut pas prendre dans les cailloux. Cailloux avec une ligne, sauf si on a une pelle un peu plus puissante qu'on achète au fur et à mesure.
Enfin bref. On verrait bien si on arrive à faire quelque chose au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu fais? Devoir faire du diamant. Le diamant en bois normalement. Ah il est en bas. Ah oui, là vous pouvez voir que ici là il y a un petit truc. C'est du diamant. Hop, on récupère. Le diamant permet de d'améliorer les objets, de récupérer d'autres. Oh, il y a un dragon. De récupérer du coup des objets pour l'aventure quand on est au lobby. Dragon bleu, recule maintenant, je peux pas reculer. On va l'attendre là. Oh. Non. On va crever. Ah non. Bah oui, j'ai crevé, la 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 la. Pas de bon. Ah c'est bon. On en reprendre. Il y a du monde là-bas. Ouais, t'as laissé ta map. Oh lol. Pourquoi? Ah mais c'est un sort. Ouais, c'était un parchemin. Oh oh. Oh. Tiens. J'aspire sur... Elle fait sur deux cases en avant, Aspire. Donc avantageux sur le reste à distance, donc comme moi là. Ah du coup j'ai récupéré ton fort. Hein? T'as récupéré mon fort? Rien. Non, c'est qu'on peut le faire tous les deux. En fait. Ah! Le gars qui maîtrise, t'es. J'ai fait plusieurs vidéos dessus, enfin vidéos, plusieurs parties, j'ai jamais réussi à finir le monde 1. Lui il est au niveau 3. Autant dire que. Donc je sais pas si vous voyez les petites plaques avec les deux petites flèches, ça réduit le tempo. Donc voilà. Et quand il y a une flèche, ça nous fait juste rebondir dessus dans le sens de la flèche. Oh, tant mieux. Donc obsidian, je crois que ça fait plus de dégâts que... En gros ça fait stack au niveau du combo que tu fais au niveau des gold. Par exemple si tu fais ça, là je fais deux coeurs. Ça stack. Là j'aurais plus qu'un. D'où la fin là. Je ne comprends pas ce dialecte, ça stack. Je chercherai sur internet. Ah déjà. Il prend pas du tout de gold. Bah je m'en fous. Les gold, les gold. Donc on arrive au boss. J'ai eu que deux coeurs. Regardez le stuff qu'il a fait par rapport. Ah c'est pas le même que la dernière fois. Il fait l'arène. Ça sert à quoi la gold là? Ah des diamants! Et voilà! La premier niveau terminé, bon bah, pas grâce à moi en tout cas. Ah deux c'est facile. On retourne au lobby. Donc voyez là le lobby comme on était au début. Donc on va pouvoir débloquer plein de petites choses. Regardons ce qu'il y a. Ouais 0,5 gold. En fait c'est pas 0,5, c'est le multiplicateur qui devient 1,5 tout le temps. Ouais bah, je sais. Ouais, si tu veux, ouais. Ça c'est cool. On va prendre ça, c'est le scroll. Ça, voilà. Le Ring of Peace. Je m'en fous, j'ai fait ce que je veux. C'est ma partie. Là c'est la difficulté est triplée. Hop là, ce que je lui ai mis. Là c'est tous les 4 temps qui... Moi je laisse faire et là je danse. Bon ça se voit. Énorme.
D'accord. Prends la firme. Faudra que moi je pense. Merde. C'est pas 4, c'est 3. C'est 3, pas 4. C'est 3. Tous les 4, regarde. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bah moi c'était que 4. Ouais, je sais pas compter. Gros pouille. Le pauvre petit lapin. Ah oui, ça me bosse. Ça te voulait pas. Bah j'en sais rien, j'ai fait flèche du haut, t'as bien vu, il est remonté, et puis j'ai une... Ah, parce qu'il y avait un mob derrière, du coup elle a pas reculé. Ah, parce que quand tu la tapes, elle recule. Bah sinon t'es obligé de faire toucher. Qu'elle avance une sur un tempo à chaque fois. Et bah on a perdu. Oh. Quick restart. Ah, on peut spend des diamants. Ça reste. Où? Bah des fois... Ouais. Non, c'est le parchemin à droite, ils volent que un an. Non. Hello. Hello. Oups. Au secours. C'était inutile, mais c'est pas grave. J'allais faire quick restart. Celle d'avant. Belle fouette. Belle fouette. Oh. Ah oui, c'était ça que tu me disais avec les champignons, que c'est super chiant. C'est kiffant quand on arrive bien à le gérer à mon avis. Ah mince. Ouf.
Non. T'en bouge pas. Ah mince. Ah, j'ai bien géré là. Celle-là, ouais, ouais, nickel. Ah là. Qui est moins rythmé, je trouve. Mince! Oh, y'en a pas fait, je crois. Hein? Pourquoi je pouvais pas l'attaquer? J'étais pas en rythme à tous les coups. Oh. Bon. Hein? Autour des armes. Oui, mais c'est pas une question d'armes, c'est une question que j'ai envie de jouer moi. J'ai un énorme fusil, hein. Je me fais gratter la gueule avec mon énorme fusil, hein. Tampi. Tampi, tampi, non, pas tampi. Bon. Bah voilà. Bah oui. Dernière. Allez, petite dernière. Petite dernière, on retourne au lobby, on va débloquer 2-3 trucs. Ça, ça sert à rien. Moi, je veux le kimono. En plus, le dégât, je veux le kimono. Pourquoi ça fait quoi? Tu fais plus de dégâts aussi? Oh. Je sais quoi, il me fait avoir. Gold, ça le fait pas. Oh, y a rien à prendre, quoi, en fait. Voilà, un coup j'ai plus qu'un cœur. Quoi?
recommences avant, ça passe une deuxième fois. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ça fait mal. Small chat, il a chier. Ouais. Ça merde. On veut voler. Ouais. Bon, sur ce, les gens, n'hésitez pas à liker, commenter, hein, c'était une petite game comme ça, voilà, la première des bros côte à côte, hein, je peux vous jurer qu'on a galéré pour le son, mais... oh, un truc de fou furieux. On a mis une heure, entre le micro et tout le bordel qui marchait pas. Enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire tout ce que vous voulez. Je pense que la vidéo sera sur ma chaîne et sur celle de Seven, je ne sais pas, comme il veut. De bon, bah, il va se faire enculer, c'est tout. Manque de skill, mais moi, à Diablo, je me suis pas planté. Donc,